faut sortir la langue sans gâter les pièces qui sont là, elles, on peut. Mais il y a les muscles masticateurs profonds que je dois ménager. Alors, comment je vais faire? Je vais désarticuler l'os hyoïde. Je connais l'os hyoïde. Il est articulé dans le muscle temporal, parce qu'on appelle le tympano hyal. Il y a un petit cartilage, je coupe pour que ça se soit libre. 1, 2, je cherche le corps de l'os hyoïde. Ça, c'est le styloïal. Après, il y a le épilial, kérato. Je cherche le corps. Voilà. J'appuie, je sais qu'ici, je suis sur le corps de l'os hyoïde. Je vais scier le corps de l'os hyoïde en deux. Je coupe là. Je divise en deux. Ce qui est de ce côté va sortir avec la langue. L'autre va rester sur la pièce. Ok? À partir de là, vous voulez certains bruits d'enfant. Je fais ça. Je prends ça, je coupe là. Je tiens la langue ici. Je sais que cette moitié est déjà venue avec moi. J'ai déjà signé en bas ici. Je prends ça avec moi. Et le pharynx, je coupe. Tout ce qui vient avec moi, je prends. J'aurais gardé la moitié de l'os hyoïde là-bas avec tous les muscles qui vont. Je recommence. Désarticuler, ça c'est bien. Je fais ça en première année, mais pas en deuxième année. Parce que ça, c'est la grosse artère dite maxillaire. Si je la coupe comme ça, c'est mauvais. Ok? Donc, tout ce qui vient avec là, vous prenez tout ça. Vous prenez tout ça. Il faut d'abord désarticuler en haut là-bas. Tout ce qui est là avec l'œsophage, ça vient avec vous. Vous prenez tout. Vous laissez la moitié qui est de l'autre côté là-bas. Ok? Voilà. Je fais ça. L'œsophage doit être avec moi quelque part ici. Ça vient aussi avec moi, ça. Voilà. Bon, ça c'est une maladresse parce que le muscle gastrique. Ici, je peux le couper, mais je vais le retrouver de l'autre côté. Il faut que je voie le digastrique, ventre caudal, tendon intégratif, ventre crânien. Quand j'ai désarticulé, puisque ce n'est pas encore fait, tout ce que j'ai là, je prends tout ça là. OK? Et en bas, j'ai divisé en deux à partir du corps de l'os hyoïde. C'est tout. Vous sortez tout. Maintenant, vous avez la langue, vous avez le larynx, le pharynx, et on vous dit sur le topo ce que je veux. Reconnaître le larynx, reconnaître le pharynx, ce qu'il y a dans le pharynx. Regardez maintenant la langue en entier. Par exemple, ça, même sans le sortir, vous savez ce que c'est. Mon doigt est sur. Mon. Est sur. Ça. Ou encore. Ou encore. Ou encore. Tonus lingual. Panus. Voilà. Tonus lingual. C'est pas du tonus qu'on est en train de voir. Même si je suis à 3000 km, que vous n'avez pas bien entendu, torus, je l'ai écrit. Même si ce que j'ai écrit là-bas, Lomé, vous n'avez pas vu. On vous a donné des images agrandies. Et jusqu'à présent, vous ne savez pas que c'est torus au lieu de tonus. Tonus lingual, comment ?